Yo, la famille, salut! Voilà, c'est Tino le béni, toujours la bénédiction divine. Ce matin, je me suis réveillé avec une toute petite idée. J'ai ceci, c'est une bouteille. Voilà, on va se souvenir un peu du bon vieux temps royautique. On tapait la bouteille. Voilà, seulement qu'il n'y a pas de tam-tam. Mais on va sortir quelque chose avec ça. Est-ce que vous êtes prêts? Vous faites le cœur avec moi. Zamantele, 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 ayo, zamantele, ayo, zamantele, ayo, zamantele, ayo. Mon pays est devenu bizarre. Ma Côte d'Ivoire est devenue bizarre. Celui-là se lève, il fait des atrocités. Celui-là se lève, il fait des atrocités. Et malgré ça, il est libre. Malgré ça, il est libre. Voilà des Indiens qui sont venus violer. Voilà des Indiens, ils sont venus violer. Ils ont violé une fille de 5 ans. Pour cela, des Ivoiriens sont fâchés. Ils ont décidé de chasser les étrangers. Mais moi je dis non, on chasse pas les étrangers. Parce que Ivoirien n'est pas xénophobe. Ivoirien n'est pas xénophobe. Moi j'ai la solution pour la punition. Oh. J'ai la solution pour la punition. Oh. Solution, on prend les 5 Indiens. Les 5 Indiens, on les emmène aux Féliciens. Nous les Ivoiriens, on est 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants là, il y a 20 millions de garçons. Si chaque garçon s'en va, il fait un coup. Chaque garçon s'en va, il fait un coup. Et puis on finit, on les laisse partir. Hey, est-ce que ça là c'est xénophobie? Ivoirien n'est pas xénophobe. Ivoirien n'est pas xénophobe. Parmi les étrangers, on a nos frères là-dedans. Parmi les étrangers là, on a nos frères là-dedans. Tunisien a giflé un policier. Est-ce que ça là c'est compliqué? On prend le Tunisien, on amène aux Féliciens. 20 millions d'habitants, on fait le rang. Chacun passe, il gifle un coup seulement, et puis il s'en va. Est-ce que ça là, on est xénophobe? Est-ce que ça là, on dira qu'on est xénophobe? Ivoirien n'est pas xénophobe. Ivoirien n'est pas xénophobe. Ok les gars, c'était juste un petit amusement. Écoutez, si un étranger commet une erreur, ne mettons pas la faute sur tous les étrangers. Parce que parmi les étrangers, nous avons nos frères dedans. Nous avons marié même des étrangers. Oui, il y a des soeurs ivoiriennes qui ont marié des étrangers qui ont eu des enfants. Il y a des frères qui ont marié des étrangers qui ont eu des enfants. Nous sommes tous un. Il n'y a pas d'étrangers. Seulement que chacun connaisse ses limites dans le respect de l'un quoi, et de l'autre. Hein? Sur ce, j'écris Zoubrou. Et on répond Sei. A coupé. Oh.